Dans la catégorie animateur-animatrice, émission de service, c'est le suspense de la soirée, les nommés sont... Marie-Claude Barrette. Gino Chouinard. Pierre Craig. Marie-Larcy. Et André Robitaille. Et le gagnant est... Oh! Gino Chouinard. Gino Chouinard a maintenant 9 trophées artistes en 9 nominations dans cette catégorie. Pour moi, c'est un suspense, en tout cas, Patrice. Rassurez-vous, j'ai aussi un peu comme vous en tête de dire « encore ». Mais ça encore-là, je m'en lasserai jamais parce que vous l'avez décidé encore via un sondage cette année. Et pour moi, ça reste une surprise nouvelle à chaque année. Pour reprendre une phrase de ma fille cette semaine, mercredi, en faisant les devoirs, dans la pièce où sont affichés les trophées, elle me dit « papa, tu sais, l'important, c'est pas de gagner, mais c'est que le public t'aime un peu. Merci de m'aimer autant, un peu, finalement. Je veux saluer mes collègues extraordinaires avec qui je travaille au quotidien. C'est moi qui rayonne ce soir, mais à chaque année, je tiens à le préciser, sans votre précieuse, intelligente collaboration, je ne serais pas sur la scène à chacune des dernières années depuis que je suis à l'animation de Salut Bonjour. À toute l'équipe de production qui travaille intelligemment aussi pour vous fournir le meilleur à tous les jours. D'ailleurs, pour vous offrir le meilleur à tous les jours, on écourte chacune de nos nuits pour être là devant vous dès 6 heures. Et pour vous en offrir davantage, l'an prochain, j'ai une primeur pour vous ce soir. Dès la rentrée à l'automne, cher public, Salut Bonjour sera en ondes 4 heures par jour de direct. Donc, à tous les jours de la semaine, avec le week-end, ce sera 4 heures de quotidienneté à vous informer et à vous divertir. Merci à TVA pour la confiance prolongée pour ces 4 heures en ondes. Chérie, patience, un jour tu vas me retrouver dans ta routine du matin, autrement que dans ta télé. Je t'aime, merci beaucoup. Je vous lève ce trophée encore une fois en guise de précieux cadeau que je n'aurais jamais souhaité aussi nombreux dans ma vie. Merci.